sommes venus à Lyon d'abord dans le cadre de l'AIRF, l'Assemblée internationale des régions francophones. Hein. Et comme on dit chez nous, quand l'éléphant va boire de l'eau, il en profite pour laver ses trompes. Donc nous avons profité de notre rencontre pour pouvoir être également à Polytech, hein, dans le cadre de la transition écologique. Les différentes régions présentes sont ici avant tout à la recherche du partenariat dans le cadre de la transition écologique, chercher des partenaires dans le domaine des investissements parce qu'une région n'a jamais suffisamment ce qu'il faut en matière de budget pour la mise en œuvre de son programme. Donc nous sommes ici à la recherche essentiellement de partenaires, hein, de partenaires techniques, de partenaires en matière d'investissement, puisque la Côte d'Ivoire a quand même un potentiel formidable et ce sera avec de bons partenaires que nous pourrions nous préparer dans le cadre donc, de la transition écologique et pourquoi pas pour le développement de nos territoires. Nous avons eu notre Assemblée Générale de l'Association Internationale des Régions Francophones présidée par Laurent Boquet et en présence de M. Berka, son secrétaire général. Les associations travaillent ensemble, notamment dans le cadre de la transition énergétique, comme vient de le dire M. le ministre. Et ici, au Salon Polytech, nous avons les plus belles entreprises françaises et européennes qui permettent justement de mettre en œuvre cette transition énergétique. Donc nous sommes dans un partenariat gagnant-gagnant, où tout le monde a y gagné, nos amis évidemment de la Côte d'Ivoire et africains plus généralement, et la France aussi bien entendu, que je représente au nom du président Laurent Wauquiez en tant que vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. D'abord, un partenariat qui va prolonger votre collaboration avec la région du Bélier. C'est un partenariat de coopération décentralisée qui a son importance, parce que c'est grâce à ce partenariat que nous pouvons ensuite signer un très beau partenariat avec M. le ministre des Régions de Côte d'Ivoire. Il est heureux pour le Conseil régional du Bélier que je représente d'être ici aujourd'hui à Lyon et signer, prolonger notre partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous allons pouvoir passer à cette signature importante de ce protocole qui a son importance pour tous les acteurs. Je suis à Lyon en fait dans le cadre de mes responsabilités de président du Conseil régional du Moronou. Nous appartenons à une organisation internationale baptisée Association internationale des régions francophones. Et cette association tient son assemblée générale à Lyon cette année. Et donc nous sommes venus à cette assemblée générale. Et en marge donc de l'assemblée générale qui s'est tenue hier lundi, il y a un programme de visite à l'occasion donc du salon Polytech. Et donc nous sommes là ce matin, depuis ce matin, pour visiter ce salon consacré à l'écologie et pour découvrir toutes les solutions, toutes les entreprises qui travaillent actuellement à la transition écologique, qui font de la valorisation des déchets, du traitement des eaux, etc. Donc un ensemble d'entreprises et donc nous sommes venus voir un peu quelles sont les dernières innovations en la matière. Je crois que c'est un grand salon et nous sommes très heureux d'être là ce matin. Bon, merci de me donner l'opportunité depuis Lyon de pouvoir m'adresser à la population ivoirienne. Nous sommes venus ici représenter la délégation ivoirienne à ce salon Polytech où nous avons été invités
à faire une intervention sur la gestion des ressources en eau pour l'accessibilité de l'eau potable, des populations. Et nous avons fait cette intervention pour non seulement dire faire l'état des lieux en Côte d'Ivoire et en même temps projeter les perspectives et les investissements qu'il faut réaliser pour atteindre l'objectif qui consiste à maîtriser les ressources en eau pour pouvoir donner de l'eau potable aux populations. Et nous savons que nous avons un plan national de développement qui a été élaboré. Nous sommes venus aussi pour que dans le cadre de ce forum, nous puissions informer les investisseurs qui seraient intéressés à investir dans le secteur et à venir en Côte d'Ivoire pour travailler avec nous. Mais au demeurant, ce qu'il faut retenir, c'est que avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons élaboré un projet, qui a connu une phase pilote, et cette phase pilote est concluante. Et à partir de cette phase pilote où nous avons bénéficié de 4 stations télémétriques, nous allons étendre cette phase à plus de 50 postes télémétriques. Ce qui est formidable pour nous, car nous recherchons des financements pour permettre à l'hydrologie en Côte d'Ivoire d'être boostée. Et grâce à ce partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous allons pouvoir avoir des moyens pour pouvoir booster l'hydrologie avec environ 50 stations télémétriques. Et ces stations télémétriques vont nous permettre d'améliorer la connaissance, n'est-ce pas, de l'eau, de pouvoir la dompter et pouvoir la traiter pour donner aux populations. Nous sommes ici aujourd'hui pour partager donc les expériences. Les expériences des uns et des autres, notamment donc puisque ça s'organise en France. J'ai eu à rencontrer donc notre partenaire donc, français. Effectivement, c'est l'objectif de faire en sorte que toutes les expériences qui sont toutes les entreprises donc, qui fonctionnent dans les différents pays, partagées et attaquer véritablement la problématique de l'environnement en Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour rencontrer aussi des entreprises et ces entreprises devraient donc partager leur expérience dans leurs différents pays. C'est un rendez-vous des éco-entreprises. Des éco-entreprises qui adressent la question de l'environnement, la question de la pollution. Monsieur le ministre, qu'est-ce que cette présence en tout cas, peut apporter aujourd'hui à l'Ivoirien lambda qui ne peut pas avoir ce nous-là? Oui, vous savez, la question environnementale, elle est nationale. Elle part donc d'Abidjan et elle touche donc toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de problématiques qui ont été identifiées dans pratiquement toutes les villes de la Côte d'Ivoire et des solutions sont en train d'être recherchées. Si nous sommes ici aujourd'hui donc, à ce salon, c'est pour rencontrer un certain nombre d'entreprises qui fonctionnent et qui travaillent déjà qui adressent la question environnementale dans leurs différents pays. Et il est important pour nous que nous partageons donc ces expériences pour que ces questions environnementales, même quelle que soit la ville dans laquelle vous vous trouvez, que vous vous trouvez donc à Jounoula, comme vous le dites tout à l'heure, que vous vous trouvez à Bouaké, à Yamoussoukro, etc., la question environnementale, elle est unique. C'est vrai qu'elle est spécifique à chaque ville, mais la question environnementale, il faut qu'on puisse l'attaquer véritablement en Côte d'Ivoire. Et ça, ça contribue donc à la réduction des effets, des gaz à effet de serre, la réduction donc des changements climatiques. Monsieur le ministre, dernière question. On imagine aisément que la Côte d'Ivoire est dotée d'une politique hydraulique et d'assainissement. Oui. Voilà. Est-ce que les conclusions de Lyon ne vont pas mettre en cause cette politique-là? Oui, vous savez, il faut allier les deux. Il y a une politique donc, de l'assainissement et il y a une politique de l'hydraulique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque fois que vous menez une politique, la question environnementale est au cœur de toutes les politiques que nous menons. Et c'est pour cela que le ministère de l'Environnement se retrouve donc, dans une situation transversale et doit adresser toutes les questions, quelle que soit
les investissements qu'on va faire, quels que soient les projets qui vont être réalisés, que ce soit dans le domaine de l'assainissement, que ce soit dans le domaine de l'hydraulique, que ce soit dans le domaine donc, des équipements, des infrastructures qui sont construites donc, en Côte d'Ivoire, la question environnementale est au centre. Et donc aujourd'hui, il est question donc, d'adresser cette question hein, pour que des solutions soient trouvées pour un temps soit peu atténuer donc, les effets de la pollution dans nos pays. Je suis ambassadeur conseil général de Côte d'Ivoire à Lyon. Excellence, nous avons reçu en tout cas dans cette semaine deux grandes délégations ivoiriennes. D'abord le président du conseil régional et les deux ministres, le ministre de l'hydraulique et celui de l'assainissement dans le cadre du salon politique. Tout d'abord, je vous remercie de vous donner la parole pour donner le point de vue de l'ambassadeur. Que la Côte d'Ivoire est très honorée d'être représentée à double titre au niveau de la région et au niveau du salon de l'environnement. Au niveau de la région, la Côte d'Ivoire est bien représentée par tous les présidents des régions et à sa tête le président du Conseil économique et social, et c'était du 10 au 12, et le salon de Polytech qui a commencé du 12. Bon. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Tout s'est bien déroulé. Et on a eu l'honneur de recevoir le président Akai Olé dans notre local. Et ça se confirme ce matin par le ministre Assi dans notre local pour une visite de courtoisie. Président, vous êtes à Lyon depuis 2 ans. Comment vont les Ivoiriens de Lyon? Les Ivoiriens vont très bien. Ils vont très bien. Ils ont beaucoup de revendications. Bon, tout n'est pas parfait parce que nous sommes en au début d'installation. Donc, pas à pas, nous avançons. Mais ce qui nous avait un peu bloqué, c'est le Covid. Mais dans l'ensemble, tout avance. Nous faisons tous les actes consulaires. Il y a combien de voyants à Lyon, excellence? Au moins 5 000. Vous délivrez des visas, oui. Des passeports? Oh oui, nous comme alors, nous délivrons des passeports biométriques, nous confectionnons. Et ensuite, les visas biométriques. Et nous faisons les transcriptions aussi, qu'on n'a pas dans nos registres. On peut avoir un peu le nom des visas délivrés, le nom des passeports, les cartes consulaires. Est-ce que c'est pas gênant? Non, pas du tout, il n'y a rien à cacher. Au niveau des passeports que nous avons confectionnés, le mois d'octobre, jusqu'à ce jour, nous sommes à 3297. Et au niveau des visas, 942 visas. Le consul gère quelle région? Parce qu'on sait qu'il y a l'ambassade qui est à Paris, mm-hmm. Un consulat qui est à Lyon. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un consulat à part celui de Lyon? Bon, qu'on appelle le consulat général gère le sud de la France. Nous avons 5 régions. La première région, Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne. La deuxième région, PACA, province Côte d'Azur. Marseille, Nice, Aix-en-Provence. Et la troisième région, la Nouvelle-Aquitaine, Poitiers, Limoges, Bordeaux. Quatrième région, Occitanie, Pyrénées-Méditerranée, Toulouse, Montpellier. Et la dernière région, la Corse, Bastia et Ajaccio. Donc ces 5 régions dépendent de vous? Dépendent de nous sur le plan consulaire. Voilà. Mais sur le plan diplomatique, l'ambassadeur chapeaute toute la France. Nous avons 5 régions. Et par contre, Paris, j'ai la moitié, c'est-à-dire le nord. Voilà. Mais au sein de l'ambassade, nous avons un service consulaire. Un consulat, bon, nous sommes là au quotidien de nos compatriotes. Mais il y a l'aspect au niveau de nos compatriotes des Ivoiriens et l'aspect économique décentralisé, c'est-à-dire
comment on doit chercher les petites et moyennes entreprises qui vont les gérer en Côte d'Ivoire. Et quand on appelle d'un côté aussi, nous avons des Ivoiriens qui ont des problèmes quand un Ivoirien décède. Quand un Ivoirien doit transcrire ses actes dans nos registres, tout ce boulot de compagnie, nous le faisons ici. Pour revenir au salon, est-ce que vous êtes satisfait de la participation de la Côte d'Ivoire à la politique? Bien sûr. Il y a des ministres de l'assainissement. Oui, mais bien sûr. Non, je me suis satisfait, mais ça permet de faire connaître le consulat de Côte d'Ivoire à Lyon, qui me connaît sur le plan qu'on appelle de la région, et au niveau aussi de l'Abidjan, ça va permettre aussi de nous que la Côte d'Ivoire est aussi implantée ici. Voilà. Merci beaucoup, Excellence. Merci. Merci beaucoup de nous avoir reçus en tout cas dans notre beau cadre ici à Lyon, dans le 6e arrondissement. Et puis, merci pour ce que vous avez dit. Voilà. Un dernier mot. Bon, qu'on appelle. Il faut que la Côte d'Ivoire aille de l'avant, surtout au niveau de la région. Il faut qu'on s'implique les uns les autres. Ce n'est pas aussi facile. Malgré la pandémie, la Côte d'Ivoire essaie de relever. Mais c'est quand même important que les frontières s'ouvrent et la Côte d'Ivoire va participer de plus en plus aux activités internationales. Je vous remercie. La Côte d'Ivoire est implantée à Lyon. Oui. Bien implantée. Merci beaucoup, Serge. Merci.